Bonjour, Topodzik fondamentaux numéro 2, consacré à comprendre le nom des notes. Donc, j'ai choisi pour ça mon instrument favori. La contrebasse, parce que justement, il n'y a pas de notes préfabriquées dessus, on a une infinité de notes sous la main. Et il faut bien comprendre que au départ, on va dire, les premiers musiciens préhistoriques n'avaient pas de convention établie. Et au fur et à mesure de l'histoire, on a fabriqué un système plein de compromis liés à la physique, aux fréquences, mais aussi aux contraintes des instruments, pour réussir à faire que les musiciens puissent se retrouver et avoir une même façon de jouer des instruments accordés pareils, etc. Donc, c'est une histoire assez passionnante, mais je vais vous la résumer, on va aller à l'essentiel pour comprendre comment est découpé notre système de dénomination de notes. Donc, vous connaissez les notes traditionnel, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc on a sept notes, ok? Sept noms établis. Mais la vérité est un petit peu plus complexe que ça, encore que vous allez voir, c'est assez simple. Sur une corde qu'on a accordée avec une fréquence bien particulière, on va avoir une note qui va en résulter. On va pouvoir couper la corde en posant son doigt et ainsi obtenir de nouvelles notes, mais cette façon de découper les fréquences obéit à des lois bien particulières. Je vous ai expliqué le rôle des harmoniques dans le premier topo, et effectivement, il faut bien comprendre que on coupe notre corde en deux, on obtient une fréquence qui est très proche, qui ressemble, c'est-à-dire que si on met les sons côte à côte, ça choque assez peu. Pour autant, c'est pas la même note, vous entendez bien. Mais ces deux notes, en fait, vont porter le même nom. C'est-à-dire qu'on a découpé l'ensemble des notes de très graves aux très aigus en une série d'escaliers qui portent les mêmes noms, c'est bien plus pratique. Et en fait, il faut comprendre que à chaque fois, notre escalier, on le fait redémarrer à une fréquence qui est la double de la fréquence de laquelle on est parti. Ce qui fait qu'il y a des notes qui vont porter le même nom, qui en fait sont pas vraiment les mêmes. C'est un abus un peu. D'accord? Si on parle d'un la, il y a des la graves, des la médiums, des la plus aigus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, je prends mon petit tableau pour mon premier concept qui est le concept d'échelle. Donc, mon échelle, en fait, ça simule un petit peu une corde. Hein, et on va partir ici d'une note grave. Je vais arrêter mon échelle au milieu, comme ça, on va déjà avoir. Ouais, ici, on a une fréquence fondamentale. Ici, la fréquence double. Donc, ça va porter le même nom. On commence nos gammes en général par Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On va prendre cet exemple-là. Ici, on a un Do. Ici, on a un Do. Ici, on a un Do. Vous vous souvenez à quoi ça correspond? Hein, la même fréquence doublée. Et au milieu de tout ça, eh bien, si on glisse le doigt sur la contrebasse, on a beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a sept noms de notes, en fait, notre musique traditionnelle occidentale est découpée en 12 petites échelles, en 11 notes, donc 12 intervalles. D'accord? Et regardez, par exemple, ce que j'ai sous la main, ici, une guitare basse, peu importe, ça pourrait être une guitare traditionnelle, on retrouve des petites cases. Vous regardez la similitude entre notre échelle, et cette échelle permet de monter dans les notes, et en fait on a séparé en 12 petites cases notre manche.
deux petits points. Si on mesure, c'est pile le milieu de notre corde. Et c'est là où on retrouve la note qu'on va appeler du même nom. Donc, la corde la plus fine sur une basse, ça va être un sol. On retrouve un sol. Ici, on va encore appeler ça sol, même si ça ne sonne pas tout à fait pareil. Donc, ces 12 petites échelles, ça correspond vraiment à la façon de découper notre octave, notre échelle. Et donc, cette façon-là, il faut bien la comprendre. Il y a d'autres façons orientales de découper, et voilà, ça peut être extrêmement complexe. Mais nous, voilà, avec notre système à 12 intervalles, c'est relativement simple, c'est pratique. C'est aussi un système qui est basé sur des compromis, sur des faussetés pour pouvoir rendre les choses plus pratiques. Alors, on va essayer de découper en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et évidemment. Voilà. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Et à 12, on retrouve notre octave. Donc cette échelle, il faut bien la comprendre, parce que c'est avec ça qu'on va tout fabriquer. Et si on a cette échelle-là dans la tête, on peut après nommer les notes sur n'importe quel instrument et comprendre la musique assez rapidement. Un instrument qui est magique pour ça, c'est la guitare, puisque évidemment les cases sont déjà fabriquées. On a déjà visuellement ces 12 intervalles qui arrivent. Alors, faut bien comprendre qu'on peut reporter ces échelles à différentes hauteurs. C'est pas très compliqué. Deuxième notion, c'est que ces intervalles, c'est l'intervalle le plus petit. On les appelle les intervalles chromatiques. Donc, un instrument qui est capable de faire tous ces intervalles, on va l'appeler un instrument chromatique. Et il existe des instruments diatoniques qui sont en fait les instruments qui vont pas être capables de faire toutes ces petites notes. Donc, ils vont s'arrêter à nos fameuses notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou à une transposition de cette gamme-là, qui va correspondre à une sélection de certaines notes parmi ces 12. Mais il faut comprendre que certaines vont mieux ensemble que d'autres. Il y a des copines. Donc, cette fameuse gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do est en fait un sous-ensemble de ces 12 notes. Et avec elles, on va avoir des notes qui sont copines, des notes qui vont bien ensemble. Je vais vous les mettre ici. Do, Ré. Donc ici, on va passer une petite case. Mi, pareil. On passe un demi-ton. Fa, Sol. Là, si, et on retrouve notre Do. Voilà, ici on a une échelle chromatique, ici on va appeler ça une échelle diatonique. Donc une gamme majeure, l'objet du prochain topo.